Bonjour. Je suis nulle. Je suis nulle en réseaux sociaux. En plus, j'aime bien, mais c'est une cata. Je veux dire, je rate les stories des gens. J'ai pris une décision fondamentale. Je veux dire, si moi, je vais pas au cinéma, qui va aller au cinéma? Sauvons les salles de cinéma. L'expérience de cinéma est unique, allons-y. Donc là, moi, j'ai décidé d'y retourner au minimum 2 fois par semaine. J'ai l'impression que je parle de ma psy, et non, je parle du ciné. Le théâtre, bah, j'y vais tout le temps. Ça, j'y vais beaucoup. Le théâtre, c'est magique. J'ai fait une tournée très conséquente cette année, donc je peux te parler des 50 villes de France que j'ai visitées. Je suis un guide du routard de la France, vraiment. Alors bien sûr, on a toujours le temps pour la famille. Non, j'essaye de, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, de me lever le matin pour prendre le petit-déj avec mes gosses. Ce qui est ironique, c'est que ce matin, aujourd'hui précisément, j'ai pas réussi à me lever. Bien sûr. Moi déjà, avant les enfants, je ne me suis jamais préparée. J'ai un truc où je n'ai pas le sas de préparation. Là, par exemple, tu peux compter que je me suis maquillée, coiffée dans le taxi. Oui, parce que en fait, dès le matin, j'écoute la radio en me réveillant. Et donc, je suis en shoot d'actualité le matin. Alors ça, c'est marrant, hein. C'est un temps que je trouve toujours. Très bizarre. On a tous l'impression d'être des ministres et d'avoir des emplois du temps de taré. Et il y a toujours des moments où il y a une heure qui disparaît comme ça. Tu sais pas ce qui s'est passé, il y a une bulle d'espace-temps que tu as avalée.